T'as fait quoi? Je ne vais jamais te lui donner ça. Tu sais ça, non? Quelqu'un va mourir. Alors Sacha, t'abandonnes? Tu verras, j'ai pris ma revanche. Waouh, j'ai peur. Une revanche. Oh non. Oh, fais chier. Quoi? Je peux pas continuer en m'attendant. Tu peux pas, genre on finit et après tu pars? J'ai pas le choix. Oh, ça me saoule. Sophie? Sophie? Sophie, comment vas-tu depuis la dernière visite? Je vais bien. Je pense que tout ça c'est derrière moi. J'ai eu énormément de mal à m'en sortir. J'aimerais qu'on revienne une nouvelle fois sur tout ce qui s'est passé. À l'école, je suis assez populaire. Je suis très appréciée de mes amis. À la maison, j'ai toujours fait la fierté de mes parents. Car j'excelle dans mes études. J'ai un frère et une sœur, et étant l'aînée, j'essaye d'être un exemple. Peut-être que j'aurais pas dû. Du quoi? Le cauchemar a commencé il y a 3 semaines. Ouais, Waouh, ça m'a assuré. Sophie, regarde. Qu'est-ce que c'est? J'y crois pas. C'est le concours d'entrée pour le lycée militaire. Et alors, tu aimerais y aller? Tu plaisantes. C'est un lycée vraiment prestigieux. Même le meilleur de France. Elle attend ça depuis des mois. Tu penses réussir le concours et réussir à suivre les cours? Le rythme est costaud apparemment. Si je connais une personne capable d'intégrer ce lycée, c'est bien Sophie. Elle est la meilleure ici, mais elle le sera pas forcément là-bas. Mais t'es pas sympa. Tu veux la décourager ou quoi? Non, je donne juste mon avis. T'es pénible. Déjà qu'elle n'a pas toujours confiance en elle, elle va douter encore plus à cause de toi. Ce serait une belle réussite. Pour mes parents, pour mon frère et ma sœur. Mais Vincent a peut-être raison. Le niveau est vraiment élevé. Je sais, ça fait seulement 2 mois que je suis arrivée. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un aussi brillant que toi. Moi, je suis convaincue que tu peux y arriver. Je ne sais pas si j'ai le niveau pour réussir. Mais peu importe. Je dois faire tout mon possible. Je dois réussir son concours d'entrée. À tout prix. Le concours a lieu dans 1 semaine. Je ne suis pas encore prête. Il faut que je trouve une solution. Peut-être qu'il pourrait m'aider. Non, j'ai pas le droit de faire ça. Après tout, je ne ferai de mal à personne. C'est mon avis, enfin, j'ai vu quelques extraits, j'ai vu la manière et tout dont c'est écrit, mais pas fou. Mais tu regardes quand même très célèbre. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Moi, j'aime les posters dans ma chambre et tout. Ouais. Vous avez le droit d'aimer, juste moi, j'aime pas. Mais tu regardes pas. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, ça doit être une bagarre. Je vais voir. Bah attends, je vais avec toi. Moi j'y vais. Je vous laisse. Ok, à plus. À plus. Mais si, je te jure. Allez, on parie. Ah non, je parie avec toi. Salut. Tu veux quoi toi? On m'a dit que... On t'a dit... Tu veux quoi wesh? Booster ma mémoire. Booster ta mémoire. Ok... 50. Et t'es sûr que ça fonctionne? T'es nouvelle ici? Tu prends ou pas? Chez nous la meuf. C'est la première fois que je me sentais aussi confiante. J'étais fière de moi. J'étais convaincue d'avoir réussi. Et je savais pas vraiment ce qui m'attendait. C'est-à-dire? 1 semaine après, les résultats sont tombés. Et j'avais réussi. Et j'étais même la meilleure de l'île. Mais les effets secondaires sont apparus. Qu'as-tu ressenti? Je ressentais cette envie de continuer à prendre les cachets. Et quand j'ai fini le flacon, j'étais soulagée. Parce qu'après tout, j'en avais plus besoin. mais j'ai commencé à me sentir fatiguée, épuisée, tout le temps. Et je suis repartie le voir. Je suis repartie voir pour en acheter. Et j'ai compris que je devais arrêter quand... j'étais plus moi-même. On a quoi comme cours après? Là, je crois qu'on a anglais. Anglais avec Monsieur Lowe? Ouais, mais il n'est pas absent, lui. Il est tout le temps absent, de toute façon. Non, mais on va pas encore reporter une évaluation. Putain, ça me fatigue. On sera pas à jour sur le programme. Hein. Jamais. Pour la fin de l'année encore. Bon. Et vous savez quoi? Regardez. Hey. Non mais Sophie, t'es sérieuse? Non mais je voulais pas, c'est pas... Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu pensais vraiment que t'allais nous faire rire là? Maman? Je peux te parler? Ça va aller? Oui. Pourquoi tu fais ça à ton avis? Je me suis mise beaucoup trop de pression. Et maintenant c'est les proches qui en paient les conséquences. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et je sais que ça fait beaucoup de mal à ma mère, même si elle me le dit pas vraiment. Et toi? Tu penses que ta sœur a compris? Tu serais prêt à lui pardonner? On se revoit la semaine prochaine. Ça sera à ton tour de parler. Merci beaucoup, docteur. Tiens Teddy, t'as du courrier. Alors, c'était comment? Demande à la droguée. Teddy, sois plus gentil avec ta sœur. Et puis, c'est quoi ce courrier? Sûrement la licence de badminton. Tu reçois déjà du courrier à ton âge? Ça lui passera, laisse-lui du temps. Ouais, je viens d'arriver, pourquoi? T'as vu? Il y a un tournoi le 28 sur Roland 2. Ah, sérieux? C'est dans 2 semaines, il faut qu'on s'entraîne ça? Carrément. Tu fais tes devoirs ou bien on joue? Lol. Attends, je lance le jeu. 2 secondes, hein. Il faut que je gagne ce tournoi. Depuis le temps que je joue à ce jeu, c'est le moment de montrer que c'est moi le meilleur. Je t'ai dit, faut qu'on parle. Attends, parce que fini. Maintenant. Ok, je vais y aller. Je viens d'avoir ton professeur principal au téléphone. Apparemment, tes notes sont catastrophiques depuis plusieurs semaines. Mais maman... pas la peine de trouver des excuses. Je sais déjà que c'est à cause de quoi. Je te donne 2 semaines pour remonter ta moyenne. En attendant, tu n'as plus le droit de jouer sur ton ordi. Est-ce que c'est clair? Oui, maman. Si je ne vois pas d'amélioration dans 2 semaines, je te change d'établissement. Je t'attends en bas. C'est l'heure du repas. 2 semaines? Mais le tournoi est dans 2 semaines. Si je ne m'entraîne pas, aucune chance de gagner. Comment je vais faire? Allô? Alors? Il s'est passé quoi? J'ai plus le droit de jouer à l'ordi. Sérieux? Et le tournoi alors? Pas grave ça. Leur chambre est loin de la mienne, je jouerai le soir. Allez, lance la partie. Partez boire de l'eau, et toi? Pourquoi tu dors pas? Tiens, viens, maman, s'il te plaît. Ok, mais tu devrais pas jouer autant. Okay guys, 5 minutes, okay? Pourquoi tu fais tête? Je suis privé de jeux vidéo. Ah, oh, bah cool. T'as fait quoi? Ouais, bref, oublie. T'as déjà parlé avec la nouvelle? Qui? Alicia? Non, elle parle jamais. Tu changes de conversation, là. Mais elle vient d'où? Elle était déjà là avant. On a juste changé de classe. Bah pourquoi? Sa meilleure amie est décédée récemment. Elle s'appelait Pamela Rio, je crois. Après ça, elle ne voulait plus rester dans sa classe. Elle est morte comment? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? T'es amoureux? Je peux pas jouer maintenant. Je suis obligé d'attendre ce soir. S-C. Ça me dit rien. Ça correspond sûrement à la seconde chance. C'est quoi cette horloge? Comment l'utiliser? Règle numéro 1. Toute personne qui écrit une date et une heure dans ce carnet remonte à la date et à l'heure indiquées. Mais n'importe quoi. Faut rejoindre en fait. Mais il fait quoi lui? Mais c'est notre allié ça? Mais il fait n'importe quoi. Hey, c'est toi qui l'as invité dans l'équipe? Oui. On a tué un, on a tué un. Viens, viens, on continue. Ah, il y en a deux là encore. Oh ouais. Attends, mais c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok. Ok, ah bah. C'est n'importe quoi là. Oh, je m'en sors, je m'en sors. Oui, non, on gagne facile là. Là, les attaques là, eux là. Ouais. Reviens, reviens, c'est bon, je change. T'en es déjà un autre? Reviens. Oh, une seconde, je suis en train de... C'est bon, vas-y, on peut y aller. Regarde. Bah voilà, mais je suis mort. Bah, et lui, on vient de l'équipe. On joue pas avec des gens comme ça. Comment tu peux gagner un tournoi avec des gens comme ça dans l'équipe? Bah alors Titi, on abandonne? Laisse tomber, je serai jamais prêt. Le tournoi est dans une semaine, comment je vais faire? Ton perso est encore trop faible. Il lui manque des équipements. Tu seras prêt si t'en achètes. J'ai pas d'argent. Demande à tes parents. Maman, tu peux m'acheter un équipement pour mon perso, tu sais? Sur le jeu auquel je n'ai pas le droit de jouer. Tu veux ma mort, c'est ça? T'as pas besoin de lui demander. Ça sera juste pour quelques euros ici et là. Elle remarquera même pas. Et comment tu veux que je dépense même quelques euros sans lui dire? Ben, pas compliqué. Je suis sûr que ta mère laisse ses affaires dans le salon. C'est juste délire. Déjà arrivé? Ta journée s'est bien passée? Oui, maman. Je prends un truc à manger et puis je monte. Il suffit juste de lui emprunter sa carte bancaire quelques secondes, le temps de l'enregistrer dans le jeu. Maman, t'as vu ce qu'il a pris? Mince! T'es dit, t'as pris quoi? Il a pris un paquet de gâteaux. Prends un fruit à la place. Une semaine. L'enregistrement de la carte ne prend que quelques secondes dans le jeu. Après, tu remets la carte là où elle était. Ni vu ni connu. Je ne peux pas être la seule à vous voir, à vous entendre quand même. Surtout effectuer que des petits montants. 1, 2, voire 3 euros par jour. Pas plus. Oh, je vais juste dépenser 2 ou 3 euros. Alors, cette journée? Ça peut aller. Salut. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Ouais, à demain. Et tu viens pas à battre avec nous? Non, un autre jour. Je suis un peu KO là. Ok, la prochaine fois alors? Le tournoi est dans 2 jours. Allez, encore 2 euros et j'arrête. Ça fera juste 10 euros pour aujourd'hui. Maman ne devrait rien remarquer. Ça y est, c'est le grand jour. Mais faut que je fasse attention ce soir. Le tournoi est à 20 h. Maman ne sera peut-être pas encore couchée. Maman, j'ai un exposé à préparer ce soir. Ok. Allez, c'est parti. 2 semaines que j'attends ça. Moi aussi, mais j'ai jamais vu. Ouais, moi aussi. C'est parce que notre maman, elle nous aime pas. Sûrement, je pense. Ouais. Ouais, mais... Déjà, pourquoi il arrive comme ça, lui? Tu peux m'expliquer? Bah, regarde. Je te parie qu'il va lui mentir. Mais non, mais pourquoi il aurait peur de lui dire la vérité? Bah, parce que les hommes mentent toujours. Je sais que c'est toujours... Bah, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des retraits sur mon compte, mais je ne sais pas d'où ça vient. Ça te dit quelque chose, toi, microshop.com? T'as commandé un truc? Non, rien. Teddy doit sûrement connaître ce magasin. Je vais lui demander s'il connaît. Bon, ça attendra demain. Il bosse sur un exposé. Pas grave. Maman, t'as vu ça? Regarde. En 1 semaine? Bon. Vais demander à Teddy s'il connaît ce site. Okay. Je sors 2 secondes, j'ai un petit truc à faire. Ok. Vas-y, tue-le! Mec, encore un gagne pour lui! Vas-y, vas-y. Yes! On l'a gagné. On est trop fort. Fort? J'avoue que t'es trop fort pour moi. Non seulement tu n'as pas arrêté de jouer, en plus tu te permets de dépenser mon argent pour ton jeu. Comment tu as fait pour accéder à mon compte? La seule à vouloir à vous entendre quand même. Maman, j'ai... Non, laisse tomber. Je veux même pas savoir. Je travaille dur tous les jours pour te nourrir. Et toi, tu te permets de dépenser 2000 euros, comme ça, pour un jeu? 2000, c'est pas possible, maman. Pas possible? Tu pensais quoi? Juste 1 ou 2 euros, elle n'y verrait que du feu? Papa va me tuer. 2000 euros? Mec, t'es là? C'est qui ce Rick? Un ami d'école, je suppose? Bah, tu sais quoi? Demain, je vais demander de te changer de collège. Et ça, je te laisse expliquer ça à ton père. Changer de collège? Mon Dieu, c'est pas possible. J'ai dépensé autant sans m'en rendre compte. Je suis allée trop loin. Tout ça pour un jeu. Et si seulement j'avais pas pris cette foutue carte. Règle numéro 1. Toute personne qui écrit une date et une heure dans ce carnet remonte à la date et à l'heure indiquée. Règle numéro 2. Celui qui reçoit ce carnet est le seul à pouvoir l'utiliser. Règle numéro 3. Les objets ne peuvent pas remonter dans le temps. Règle numéro 4. Toute personne qui écrit 4 fois dans ce carnet perdra la mémoire. Pourquoi mon écran est allumé? Mon casque n'était pas sur ma tête? Que se passe? Non seulement tu n'as pas arrêté de jouer, et en plus tu te permets de dépenser mon argent pour ton jeu? Comment tu as fait pour accéder à mon compte? Je suis désolée, mais je savais pas que ça arrivait à 2000. Et puis c'est pas moi qui... Ah bon? C'est pas toi? Et comment tu sais que tu rates qu'on a retiré 2000 €? Bah... Tu me l'as dit quand t'es monté plus tôt. En plus, tu te fiches de moi? Tu m'as dit que tu allais travailler, de pas te déranger. C'est la première fois que je monte. C'est la première fois que je monte te voir. Mec, t'es là? Et c'est qui ce Rick? Un ami d'école, je suppose. Bah, tu sais quoi? Demain, je vais rencontrer ton professeur et demander de te changer d'école. Je te laisserai expliquer ça, à ton père. Ça ne peut pas être vrai. Qui aurait pu m'envoyer ça? Et puis, c'est quoi ce courrier? Sûrement la licence de badminton. Dans tous les cas, c'est ma chance. Ma chance de réparer mon erreur. J'ai réussi pour 10 minutes. Ça devrait marcher pour une semaine. Déjà arrivé? Ta journée s'est bien passée? Oui, je prends un truc à manger et puis je monte. Maman, t'as vu ce qu'il a pris? J'ai appris. Chloé, t'es dit à droit de manger quand même. Alors, cette journée? Je t'ai dit, tu dors pas. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Hé! Oh! Va dormir là! Okay. Aïe! chat, c'est parfait ça. Là t'as dit, tu me fais quoi là? C'est quoi ces mains sur les genoux là? Enfin, voilà. Ça y est, c'est le grand jour. Ce soir, c'est le tournoi. Maman, j'ai un exposé à préparer ce soir. Ok. Allez, c'est parti. 2 semaines que j'attends ça. Moi aussi, j'ai jamais eu. Ouais, moi aussi. C'est parce que notre maman, elle nous aime pas. Sûrement, je pense. Ouais. Ouais, mais... Déjà, pourquoi il arrive comme ça, lui? Tu peux m'expliquer? Bah, regarde. Je te parie qu'il va lui mentir. Mais non, mais pourquoi il aurait peur de lui dire la vérité? Bah, parce que les hommes mentent toujours. Je sais que c'est toujours... Bah, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Le pronote de Teddy, il y a un message de son professeur principal. Ah ouais. Bonjour madame, votre enfant, Teddy Conan, a été vu par de nombreux professeurs en train de dormir en classe. D'ailleurs, ses notes sont catastrophiques depuis 2 semaines. Serait-il possible d'avoir un rendez-vous s'il vous plaît? Tu saurais pourquoi? Tu sais qu'il me parle à peine? J'ai essayé, mais bon. Ça s'est empiré depuis que je lui ai interdit de jouer. Je vais lui parler. Je sors 2 secondes, j'ai quelque chose pour savoir. Ok. Vas-y, tue-le! Mec, encore un gagne pour lui! Vas-y, vas-y! Yes! On l'a gagné! On est trop fort. C'est ça? J'avoue que t'es trop fort pour moi. C'est pas vrai. C'est moi qui devrais dire ça. Et... Non! Laisse tomber. J'ai vu le message de ton professeur principal. Tes résultats sont catastrophiques. Mec, t'es là? C'est qui ce Rick? Un ami d'école, je suppose. Bah, tu sais quoi? Demain, je vais rencontrer ton professeur et demander de te changer d'école. J'aurais dû m'en douter que quelque chose n'allait pas quand j'ai croisé Sacha et qu'elle m'a dit qu'elle t'avait pas vu au badminton depuis plusieurs semaines. Ça, je te laisserai expliquer ça, à ton père. Mon plan devait fonctionner. Pour ne pas utiliser la carte bancaire, il fallait que je joue 2 fois plus le soir. Tous ces efforts, toute cette fatigue pour rien. Tu joues trop peut-être. Tu m'ignorais pas autant avant. Allô? Oui? Oui, c'est bien moi? Vraiment? Oui, je comprends. Je vous remercie pour cet appel. Je vais avoir une discussion avec lui. Laisse-moi deviner. Tu vas m'interdire de jouer car mes résultats sont catastrophiques. Pas la peine de trouver des excuses. Oui, je sais, maman. Je te donne 2 semaines pour améliorer mes résultats. Oui, c'est clair, maman. T'as raison, je ferai de mon mieux. Désolée, fais-moi confiance. Ok. Il a gâché toutes ses chances. Tu joues? Je peux pas. Je suis travaillant. Allez, s'il te plaît, joue. Je peux pas, je t'ai dit. De toute façon, tu trouves toujours des excuses pour pas jouer avec moi, donc... Attends. Une seule partie. D'accord. Mais tu vas perdre. Tu me provoques, là? Oui. Ok, on verra. Jeanne. Allez, pause. Oh non. No. Hein? Ça fait 2 semaines. Maman, j'ai un exposé à préparer ce soir. En gros, faut pas te déranger, c'est ça? Ok. En fait, j'ai eu un message de ton professeur sur Pronote. Tes résultats sont apparemment bien meilleurs. Je suis fière de toi. Rien ne se passe. Enfin. C'est la police. Ils ont retrouvé une personne inconsciente. Dans le coma. C'est le sac de ta sœur. La personne qu'ils ont retrouvée avait des cachets dans sa main. C'est Sophie. Je comprends pas. Elle m'avait juste dit qu'elle allait faire une course. Restez là. Je les rejoins à l'hôpital. Je vous appelle dès que j'ai des nouvelles. Reste avec ta sœur. Foutu livre de merde! Vous voulez quoi de moi? J'ai arrêté de jouer, j'ai réparé mes erreurs, j'ai travaillé tous les soirs et vous me prenez ma sœur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Désolée. C'est pas grave. Où t'as eu ce livre? Je sais plus. Merci. Attends. Je suis désolée pour ton amie. La fille qui est décédée il y a 3 semaines, c'était bien ton amie, non? Moi aussi, je suis en train de perdre quelqu'un. Ma sœur, elle est dans le coma à cause d'une drogue. Les docteurs sont... Je suis sûre qu'elle s'en sortira. C'était ma meilleure amie. Une fille souriante et pleine d'énergie. Elle avait la joie de vivre. Elle était toujours engagée dans quelque chose. Tu comptes venir m'aider ? Ok, donc tu t'inscris dans tous les projets et après c'est à moi de tout faire? On me demande jamais mon avis. Oui, mais tu sais que je t'adore et je sais que tu m'adores encore plus. C'est bien pour ça que nous sommes les meilleurs amis du monde, non? Ouais, si tu le dis. Alors, t'es partante? On finit ce stand avant la récré? Ouais. Tu me donneras ton sac? Je me cacherai le visage. Au moins personne ne me verra avec cette énorme porte-clés de poupée accrochée dessus. Mais elle est trop mimi cette poupée. Ouais. Bon. Allez, dépêche-toi avant que je change d'avis. J'adorais la voir courir dans la cour. Mais elle avait des crises d'asthme à force. Ce jour-là, elle a pris son inhalateur comme d'habitude. Mais la crise n'est pas passée. Elle s'est effondrée au milieu de la cour. Ah non, 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 je parle plus de toi. Et elle est morte quelques heures plus tard, à l'hôpital. On apprendra plus tard que son inhalateur était périmé. Et qu'elle est morte à cause de ça. Je n'ai pas pu la sauver. C'était pas ta faute. Si. Son père pariait beaucoup sur les matchs de foot. Et un jour, il a perdu tout l'argent de la famille. Donc, plus d'argent pour lui acheter ses médicaments. Et elle était obligée de prendre les vieux médicaments qui lui restaient. Le jour où elle s'est effondrée, c'est moi qui lui ai donné son inhalateur dans son sac. Elle est morte à cause de moi. Mais, ça va pas ? Respire, respire. Concentre-toi, regarde-moi. Elle est asthmatique, va me chercher son inhalateur dans le sac. Calme-toi, calme-toi. On va regarder ta respiration, hein, et je vais rappeler les urgences. Respire normal. Ah, super. Tiens, tu vas faire l'inhalateur, là. Tu pouvais pas savoir. Si seulement je pouvais retourner en arrière. Ce carnet, il appartient à Pamela? Je pense. Je ne l'ai jamais vu avec. Mais il y a ses initiales dessus. PR. Pamela Rio. Je peux voir? PR. Pamela est... Elle est morte ce jour-là. « 1er février. C'est le jour où Sophie a rencontré le dealer pour la première fois. Comment tu as reçu ce carnet ? Honnêtement, je suis pas sûre. Je l'ai reçu dans un colis le lendemain de sa mort. Elle l'a reçu comme moi, dans un colis ? Je me souviens même pas avoir écrit à l'intérieur. C'était sûrement inconsciemment en pensant à elle. La date est écrite 4 fois. Se pourrait-il que... Merci. T'es le premier à qui je parle depuis. Je prierai pour ta sœur. Si PR renvoie à Pamela Rio, SC signifie que... Sophie Conan! Mais le colis était bien à mon nom, et non au nom de Sophie. Donc cela veut dire que... Ce carnet n'est pas à Pamela. Alicia l'a reçu pour qu'elle puisse sauver Pamela. Elle a dû essayer 4 fois en échouant à chaque fois. Et elle a perdu la mémoire. Ce carnet n'est pas pour que je puisse réparer mes erreurs. Mais celle de ma sœur! Mais quel idiot, quel égoïste! Et dire que j'ai utilisé le mien 3 fois pour un jeu? Sophie, j'ai compris. Tiens bon, j'arrive. C'était quand? Tout s'est passé le 1er février... à la pause méridienne. Allez, réfléchis. Quoi ? Mais n'importe quoi. Mais si, je te jure. Allez, on parie. Ah non, je parle plus de toi. Si je t'ai dit ce carnet, je perdrai la mémoire comme Alicia. Je ne me souviens même pas avoir écrit à l'intérieur. Non, je peux pas. Il faut que je sache quoi faire arriver là-bas. Règle numéro 3. Les objets ne peuvent pas remonter dans le temps. Règle numéro 4. Toute personne qui écrit 4 fois dans ce carnet perdra la mémoire. Et du coup, il a débloqué une attaque incroyable. Et le manga s'est terminé comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est faux, moi je te dis. Mais... ça va pas? Respire. Allez, on parie? Ah non, je parie plutôt. Vraiment. Midi 40, Sophie est en danger, la poupée et la clé trouvent l'inhalateur. La manière et tout, on s'est écrit, mais... pas trop. Mais tu regardes quand même très célèbre. Concentre-toi. Sophie n'a pas d'inhalateur. Mais tu regardes pas. Qu'est-ce que c'est? Inspire. TED1224. Je suis le seul à connaître ce mot de passe. Moi j'y vais. Je vous laisse. Midi 40. Sophie est en danger. La poupée et la clé trouvent l'inhalateur. La poupée! J'ai pas le choix. Je dois croire ce message. Sacha, empêche Sophie de quitter le collège. Hé ? Brouille-toi ! À moi. Elle est asthmatique. Va me chercher son inhalateur dans le sac. Qu'est-ce que tu fais là? Peut-être, j'ai essayé, mais... oh. Prends la bouche. Je sais pas si mon inhalateur n'est pas là, il va disparaître. T'es nouvelle ici? Tu prends ou pas? Je dois réussir son concours d'entrée. À tout prix. Je vais t'en donner un, moi. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas prendre une grande inspiration. Chelou la meuf. Et toi? Alors comme ça, je suis ta sœur adorée que t'aimes plus que tout au monde. Hein? Bah, c'est ce que Sacha m'a dit dans sa tentative de kidnapping. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle, cette Sacha! Sinon, quoi de beau? Je pensais à toi. Ah. En bien ou... Assieds-toi. Je voulais tellement être un exemple pour toi et Chloé que je me suis mise beaucoup de pression pour un concours. Et j'ai même pensé que j'avais besoin d'aide. Je doutais de mes capacités. Franchement, tu seras toujours un modèle pour moi. T'as quoi dans les mains? Eh, t'as pas un concours à réussir, toi? It's gonna be alright. Eh, hey, regarde, t'es super connue comme actrice en fait. Tu m'avais pas dit que t'avais joué ça. C'est toi l'éléphant là-dedans, non? T'es trop drôle. Eh, hey, tu sais ce qui est arrivé à la fille qui a fait une crise d'asthme la dernière fois? Oh, elle. La fermière est arrivée à temps et elle joue mieux. Midi 40, Sophie est en danger, la poupée et la clé trouvent l'inhalateur. Et arrête de jouer autant aux jeux vidéo. Un homme a été mis en garde à vue pour vente de drogue devant les établissements scolaires. Cet homme faisait partie d'un réseau de criminels recherchés qui arnaquaient les jeunes dans les jeux vidéo sous le pseudo de Rick. Ces criminels conseillaient aux mineurs d'utiliser la carte bancaire de leurs parents, puis en piratant leurs ordinateurs, ils vidaient le compte des victimes. Quoi? Je ne vais jamais te donner ça. Tu sais ça, non? Quelqu'un va mourir.